Le camp du bien, le camp de l'humanisme, le camp des gentils et de l'empathie. J'aimerais tellement pouvoir être de gauche, avoir un cœur et de l'amour à revendre, pouvoir m'ouvrir aux autres, aimer tout simplement, être un humain. J'aimerais tellement être un humain. Mais non, je suis un méchant droitardé. Ouh, je suis très très méchant, je suis la haine, parce que je suis de droite. Je ne suis que haine, comme ça tous les jours. Je, je bouillonne intérieurement. J'essaie de trouver des objets vers qui déverser ma haine, des êtres humains de préférence, qui ne pensent pas comme moi. <laughs> tu es de gauche. Tu n'es pas comme moi. Je te déteste. Je suis tellement la haine. <laughs> non, c'est pas vrai. Il vient de se passer un truc qui peut paraître anodin, mais ça démontre à quel point les gens de gauche nous déshumanisent. Ils nous mènent une guerre qui est pour l'instant euh, politique mais qui pourrait très bien déraper, faire quelque chose de beaucoup plus grave et violent, je pense. Ces gens sont absolument abjects et qu'ils passent leur vie à donner des leçons d'humanité, euh, d'amour, d'ouverture et de tolérance à tout le monde, je trouve ça complètement hallucinant en fait. Ils ne représentent juste qu'un regroupement d'intérêts, voilà et ils se servent de la morale pour essayer comment dire, de, de, de lisser leur discours à coup de bons sentiments. Mais en vérité, la haine, vous allez voir qu'elle est à gauche. Et de toute façon, suffit de suivre des mecs comme Psyodélique, qui vous parlent des influenceurs de droite et de gauche, pour vous raconter des histoires personnelles, pour voir où est la méchanceté, le harcèlement et toutes ces choses-là. Ils sont très bons pour se victimiser, mais en fin de compte, quand on regarde bien ce qui fait quoi, on voit très vite où est le côté du harcèlement, de la meute, euh, des loups qui hurlent, etc. Bref. On va regarder ça tout de suite. Moi je suis tombé de ma chaise un petit peu. Je trouve ça complètement dingue. Allez, c'est parti, accrochez-vous, ça va être génial, vous allez voir. C'est la gauche, c'est l'amour, c'est la tolérance. On a cet article du monde. du monde. Monde, monde de l'immonde qui est paru. Et euh, Hélène Salvi, euh, qui est, je ne sais pas quoi, journaliste de Mediapart, relaie une information cruciale. Hein, C'est un article qui a été euh, pondu pour salir Geoffroy Lejeune, bien sûr, comme s'il en avait besoin, ce pauvre Geoffroy qui fait juste son travail, qui ambitionne de, de, de diriger un journal de droite alors il y a un journal de droite pour 50 journaux de gauche mais a priori pour les gauchistes c'est déjà beaucoup trop en fait ils n'arrivent pas en fait dans, dans leur esprit ils n'arrivent pas à concevoir qu'il y a des gens qui pensent pas comme eux et qui a le droit de s'exprimer surtout hein pourquoi il est encore sur YouTube Pourquoi il a encore des subventions Pourquoi il a des contrats Pourquoi il gagne de l'argent Pourquoi il fait le même métier que moi alors qu'il pense pas comme moi Moi je me suis tellement conformé à ses idées depuis que je suis tout petit à l'école. J'ai dit oui maîtresse, oui maîtresse. C'est vrai maîtresse, l'amour, la tolérance, la gauchisme, c'est très important. Je me suis toujours conformé à ses idées malgré moi parce que en vérité je vis comme un petit bourgeois égoïste. Mais voilà, j'affiche ses idées comme un étendard. Ça guide ma vie, ça guide ma vie. Alors pourquoi lui s'est affranchi de tout ça Comment il a fait Pourquoi est-il si fort, ce Geoffroy euh, Si indépendant <laughs> Je n'y arrive pas, je ne peux plus supporter ça. Cette force, cette force Parce que oui, pour s'assumer de droite dans cette société française, progressisto-hypocrite, il faut être assez fort en fait pour avoir subi toutes ces attaques, parce que j'imagine que Geoffroy le jeune, il a dû s'en prendre plein la gueule, et pour être toujours là et être surtout compétitif, performant, etc., et être un très bon dans son domaine. Le mec, il a fallu qu'il en a pris des coups, hein, beaucoup plus que n'importe le gauchiste, qui lui a pris des subventions. Les subventions, c'est plus sympa que les coups, pour les gens qui ne savent pas. Hein. Parce que oui, il y a un espèce de narratif à gauche qui essaye de faire croire que quand on est de droite, ouais, c'est bon, on va se faire plein d'argent, etc. Bah oui, il y a un marché, en fait. Oui, il y a beaucoup de gens de droite qui voudraient être représentés, et il n'y a pas beaucoup de gens euh, pour les représenter, parce qu'il y a beaucoup trop de coups à prendre. Mais je veux dire, quand on voit là, ce qui s'est passé avec le youtubeur à qui j'ai mis un petit coup de pression là, la semaine prochaine, là, cette semaine, comme il s'est décomposé pour un tweet. Non, mais ce genre de. Non, mais attendez, nous, on se prend ça, mais euh, euh, 100 fois par an, d'accord Ce genre de coup de pression. Donc, il faut bien comprendre où est la force et où il est le courage. Voilà. Où est le courage On est dans une société qui manque énormément de courage. Si vous cherchez du courage, les amis, regardez à droite. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il faut être de droite pour être courageux aujourd'hui. Être de gauche, c'est euh, consensuel et facile et euh, subventionné et, et euh, même euh, comment dire récompensé voilà des petites légions d'honneur des, euh, des petits contrats ça se passe très très bien bref pardon où l'on apprend que Geoffroy le Jeune est un ami intime du chanteur Vianney et qu'il part en vacances avec l'humoriste Gaspard Proust on va euh, passer sur cet article du coup, tous les gauchistes s'en donnent à cœur joie et reprennent, reprennent cet article. Vianney voit le jour dans une famille de militaires mélomanes et catholiques pratiquantes. Son père est pilote d'hélicoptère dans l'aviation légère de l'armée de terre. Sa mère, initialement pilote d'avion puis instructrice, avant de se reconvertir dans l'enseignement comme professeur agrégé d'économie gestion. Au moment de sa... Vianney grandit à Paris, il est scolarisé d'abord au collège Notre-Dame des Oiseaux, dans le 16e. Il lui dédiera une chanson, je ne sais pas quoi, ok. Ça, donc, du coup, c'est un, un ancien article qui décrit euh, la vie euh, de Vianney. Mais là, on revient sur l'article du Monde, Pas de deux avec la Macronie jusqu'à l'éruption de Zemmour. Outre la nièce de Marine Le Pen, ses intimes comptent le chanteur Vianney, l'humoriste Gaspard Proust, avec qui il part en vacances dans son chalet des Alpes, ou encore l'écrivain aux accents réactionnaires Michel Welbeck. En avril 2019, j'aime bien parce que Welbeck il y a 10 ans, c'était un génie. C'était un génie absolu, tout le monde lui gobait euh, ce qu'il y avait à gober. Aujourd'hui, c'est un euh, petit écrivain euh, réactionnaire et un petit peu euh, nauséabond, vous voyez. Euh, en avril 2019, ce dernier l'invite à l'Elysée pour sa remise de Légion d'honneur, décision à laquelle Geoffroy Lejeune a concouru, à travers son ami Bruno Roger Petit, actuel conseiller mémoire d'Emmanuel Macron. Donc il a même des liens hein, euh, via euh, le réseau avec la Macronie, Geoffroy Lejeune. Ce qui est bien, je trouve, il n'y a pas de problème. Il faut des passerelles, c'est important les passerelles. Et la gauche meurt de pas de refuser toute passerelle en fait. Et c'est bien fait, et c'est très bien. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il nous explique que euh, Geoffroy le jeune a des amis. <laughs> c'est incroyable, il a des amis, Geoffroy. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'ils essaient de faire là En gros, vu qu'ils n'arrivent pas à atteindre et à démonter et à cancel Geoffroy le jeune, ils essayent de cancel ses amis. Parce qu'à limite, Gaspard Proust, tout le monde sait qu'il a un peu de droite. Voilà, Gaspard Proust, il ne se, se cache même pas d'être de droite. Euh, Welbeck, on n'en parle même pas. Lui, il est complètement cramé maintenant, avec tout ce qu'il a pu dire. Mais euh, Vianney, c'est un petit peu une découverte. Bien que moi, j'avais vu un reportage sur TF1 à propos de Vianney, et j'avais tout de suite compris que c'était un. C'était un mec, voilà, un petit, un peu ambiance versaillaise, soft, vous voyez Bien qu'il fasse beaucoup de featuring, euh, il aime beaucoup euh, la musique africaine et tout, il a fait même, je crois, un album dédié à, à des feats avec des Africains, etc., avec beaucoup de chanteurs et d'artistes africains, donc il est quand même ouvert, et je pense que la culture doit être ouverte, c'est ça, il y a un truc que les droits d'art comprennent pas, c'est que la culture, la gastronomie, enfin tout le savoir, c'est quelque chose qui circule, d'accord en être pour la circulation des idées, des savoirs, des cultures, des arts, c'est pas la même chose que d'être pour la circulation massive des hommes. Les, les idées ont toujours circulé à travers le monde et vouloir bloquer les idées, c'est mourir, en fait. C'est condamner sa civilisation à la mort. Les, les, toutes les civilisations ont passé leur temps à s'enrichir des bonnes idées des civilisations voisines. Hein, Il faut bien faire la part des choses, les amis. Et du coup, Vianney. Et j'avais vu ce reportage à propos de Yannet et justement, il y avait un truc qui m'avait beaucoup. J'aimais pas trop ce mec et quand j'avais vu ce reportage, j'avais adoré ce mec parce qu'en fait, il montrait dans ce reportage que le mec tous les vendredis, malgré son explosion euh, médiatique, euh, qu'il soit devenu une star, etc. Il continuait de faire un truc qu'il avait toujours fait, c'est d'aller, euh, je sais pas, chez Emmaüs ou les Restos du Cœur, je sais pas quelle association caritative, et continuer de participer. Aider, en fait, il est bénévole dans une association comme ça, je ne sais plus quelle, laquelle c'était, et il continuait de distribuer des repas, s'occuper des sans-abri, des déshérités, etc. Voilà. Et les gens, il y avait des gens qui étaient à la rue, ou je ne sais pas, enfin des, des gens qui n'avaient pas beaucoup de sous, et qui bénéficiaient des aides de cette association, et qui disaient qu'il était super gentil, qu'il avait toujours été là, etc. Et il continuait de venir, malgré euh, qu'il soit devenu une star, le mec. Et là, je me suis dit, bon, ce mec, c'est un bon. Ce mec, c'est un putain de bon. Et là, qu'est-ce qu'ils font Vu qu'ils n'arrivent pas à cancel Geoffroy le Jeune, ils s'en prennent à ses amis. Mais vous vous rendez compte le niveau de ces gens Non, mais là, vraiment, vraiment. Vous vous rendez compte du niveau de méchanceté et à quel point ces gens nous humanisent en fait C'est-à-dire, vu que tu es ami avec Geoffroy le Jeune, tu peut-être pas ami avec lui parce que tu partages ses idées. Tu peut-être ami avec lui parce que tu. Je sais pas, tu as eu un bon feeling avec lui il y a un lien qui est même peut-être établi. Avance l'utilisation de cette personne. Moi, par exemple, mes amis d'enfance, enfin mes amis d'adolescence, la plupart, c'est des mecs de gauche, en fait. Enfin, des mecs de gauche confort, quoi. C'est-à-dire, ils votent Mélenchon, ils peuvent partager des idées avec moi, mais ils votent plutôt Mélenchon, Macron, etc. D'accord Il y en a très peu qui s'affirment de droite, d'accord euh, Il y en a qu'un seul. Et euh, c'est pas pour ça que je les ai pas pour ça que C'est pas parce qu'ils viennent manger à la maison, qu'ils viennent dormir à la maison, que leur gosse joue avec mes gosses, qu'ils sont de droite. Que, comme moi, en fait. Et donc ces gens-là, vu qu'ils n'arrivent pas à atteindre Geoffroy le Jeune, ils essayent de salir ses amis. Et comment ben En les citant, en disant qu'ils sont amis. Et ça, en fait, c'est supposé nuire. C'est fait pour nuire à la carrière de Vianney, en fait. Là, en gros, vu qu'ils n'arrivent pas à atteindre Geoffroy le Jeune, ils disent boycottez Vianney. Amis gauchistes, vous qui aimez bien Vianney, sachez que c'est un gros... Euh, Rasslard, euh, Mazi, euh, tout ce que vous voulez. Et il est pote avec Geoffroy le Jeune. Et je sais pas, il chante en allemand le samedi soir en buvant de la bière, etc. Avec des costumes Hugo Boss. Donc ils sont très très méchants. Donc boycottez-moi ce mec. Peut-être même euh, virez-le des plateaux télé, de The Voice, etc. Mais vous vous rendez compte le niveau, à quel point ils nous déshumanisent, à quel point ils nous haïssent et à quel point ils nous mènent une guerre. Euh une guerre totale, en fait. Une guerre totale qui, pour l'instant, n'est que médiatique et politique, mais qui, si les choses se dégradaient, si le contexte se dégradait, pourrait très bien devenir quelque chose de, de plus radical, d'accord, et de plus concret. Et ça, j'en doute absolument pas. Je pense que ces gens, vraiment, nous haïssent à un niveau euh, qui s'approche de la destruction, en fait. Ils aimeraient nous détruire. Et d'ailleurs, quand on entend les, euh, comment dire, les, euh, les influenceurs de gauche, etc., genre par exemple les, les Jacottes, qui disent qu ou les, les usules qui nous disent qu'il faut que la police vienne nous rafler pour nous mettre dans des goulags en fait. Et un goulag, faut bien, je le répète souvent, mais un goulag, c'est l'équivalent d'un camp de la mort nazi, d'accord. Faut, faut bien comprendre, c'est un camp de concentration, un goulag. Et ces gens-là disent ça en toute décontraction. Ils sont promus par Twitch, ils ont des euh, subventions du CNC, etc. Donc comprenez bien, comprenez bien que c'est très grave, d'accord, et qu'il ne faut pas laisser faire ce genre de choses. C'est très grave ce qui s'est passé. Et ils sont en train de relayer tout ça, la gauche, pour nuire à Vianney, juste pour que euh, bah Geoffroy le Jeune se culpabilise, en fait. Et se dise, merde, ce mec est super talentueux, il est super connu, il fait The Voice, il fait machin, il fait bidule. Et voilà, peut-être qu'à cause de notre amitié, à cause de moi, euh, il va voir sa, sa notoriété abîmée euh, et sa puissance euh, médiatique euh, salie. Voilà. Je trouve ça absolument abject. Parce qu'en plus, je le répète encore une fois, et même s'ils partageaient les mêmes idées, ça regarde qui en fait Mais ça se trouve, Vianney ne partage même pas les idées de jean paul Lejeune. C'est juste des, des liens humains ou euh, chronologiques qui, qui les unis. C'est absolument abject. C'est absolument abject. Qui, est, qui a commis ce truc en fait Alors, ce sont deux, euh, deux journalistes, Ivan Trippenbach, ou Trippenbach, je ne sais pas, cette jeune femme, Okay, cette jeune femme, Ivan Trippenbach et euh, François Krug. François Krug, qui est en biographie-information. François Krug collabore régulièrement au monde et à son magazine M. Okay. Voilà. Voilà François Krug. Voilà ces gens. Voilà ces gens qui, euh, qui nous haïssent au point de mettre nos amis dans la sauce. T'imagines. Mais quelle honte. Quelle honte. Déjà, il y a. Sérieux, il y a combien d'artistes de droite, en fait Il y avait euh, Michel Sardou. Hein, il s'est fait, euh, s'est pris, mais tellement de boulettes canon, d'accord Alors qu'il est de droite Sarkozy. Il n'est même pas vraiment de droite, d'accord Il est juste de droite Bourges, quoi. Il veut payer moins d'impôts, quoi. Pour aller au Conoméra plus souvent avec ses potes. Et Doc Gineco, qui a dit euh, Nicolas Sarkozy, pourquoi pas Il s'est fait des bois-taxes. Il s'est fait des boîtes, il est fait des boîtes Sa carrière était finie, finita. C'est tout, en fait. Et donc maintenant, la nouvelle cible, ça va être Vianney, oh, tous ensemble avec le monde, fit des jolies chansons. Vianney, foutez-lui la paix, mais quelle honte. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et euh, voilà. Bravo, bravo François et bravo Ivan. Franchement, vous faites un super taf, vous faites de très très bons, euh, vous êtes géniaux. Vous êtes l'amour, la tolérance et l'humanité. Vraiment, euh, je vous adore, je vous adore. Le camp du bien, qui disait le camp du bien. Allez, abonnez-vous. A ah, ciao.